Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler de Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur PlayStation 4. Édité et développé par Ubisoft, sorti officiel le 1er décembre 2015. Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans et il a eu la note moyenne de 15 sur 20 sur Game Rankings. Voici sa moyenne. Déjà, pour commencer, parlons déjà du menu. Je vais faire quelque chose d'assez spécial cette fois-ci. Ce que je fais là est en direct, mais précédemment, en fait, j'ai fait une partie avec des amis. Voilà, ce n'était pas non plus pour les monopoliser trop longtemps. Nous avons fait une partie en multijoueur, en 5v5. Donc je vais vous présenter tout l'intérêt du jeu dans ce menu et ensuite je lancerai cette vidéo qui a été faite au préalable où est-ce que vous verrez des conditions réelles de jeu car pour moi tout le jeu prend de la saveur et a une telle importance et une telle renommée qu'il peut et qu'il se doit de lui appartenir uniquement quand on joue à plusieurs et quand le teammate est bel et bien présent. Donc voilà, en conditions réelles de jeu, c'est la vidéo qui va vous attendre pour ce vidéo test. Qu'est-ce qu'il faut que je vous parle? Donc, après la bêta Closed et la Open, qui d'ailleurs a été un joli coup marketing d'Ubisoft, nous proposer l'Open Beta pour donner bien envie aux gens d'acheter le jeu. Ensuite, la bêta se termine. Oh mon dieu, j'ai envie d'y jouer. Mais ne vous inquiétez pas, le jeu sort 48 heures après. C'était plutôt bien joué de la part d'Ubisoft. Un jeu très orienté e-sport, comme le voulait le défunt Tom Clancy, le fameux romancier dont la boîte porte son nom. Et faisait ses moindres, exécutait ses moindres demandes scénaristiques. Ses dernières volontés étaient d'avoir un jeu e-sport, c'est fait. Un jeu open world, The Division arrive. Et un reboot d'un de ses fameux jeux, le 3 2015 nous l'a présenté. Il porte le nom de Ghost Recon. Donc voilà, parlons plus en détail les situations. Donc c'est entre guillemets le solo. Veuillez me pardonner, je n'ai pas tout fait. J'essaye de faire la vidéo au plus vite, comme je vous ai dit. Ma politique est de vous présenter le jeu au plus tôt pour vous faciliter dans votre décision d'achat. Le solo, ça va vous apprendre toutes les caractéristiques à avoir, toutes les phases dans lesquelles vous allez pouvoir être confronté au cours des missions multijoueurs. Donc du combat rapproché, en gros, c'est du free-for-all, de l'extraction d'un otage, une cible, voilà, ça peut être de la secure zone, enfin, vous aurez plein de choses à avoir, et bien sûr, si vous remplissez les défis, vous gagnez des récompenses, dont des dog tags Rainbow Six. À quoi servent les dog tags? C'est votre monnaie durant le jeu. À savoir que vous aurez aussi des coins Rainbow Six qui eux demanderont de l'argent réel si vous voulez faire un achat compulsif et pour avoir pas du pay to win, mais pour vous acheter par exemple des camouflages plus rapidement. Voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du pay to win pour ce jeu. Multijoueur, ça reste très basique, tout ce qu'on a pu voir dans la bêta, du simple ou du classé, bien sûr, voilà, à vous de jouer en ranked ou en casual comme vous le voulez. Et la chasse au terreau, c'est vous et quatre de vos partenaires contre des terroristes. Donc vous pouvez tous les démonter ou alors aller diffuser des bombes. À ce moment-là, par contre, leur nombre est infini. Vous avez 3 modes de difficulté, réaliste, partant du plus dur au plus simple, réaliste, difficile et normal. Et ensuite, petite info, si vous ne le savez pas, regardez les 3 didacticiels vous permettront de gagner 200, 400 et 600. Donc voilà, 3 fois 2 de petits doctags pour vous acheter votre premier agent qui coûte 500. Je n'en ai acheté que 2, l'attaquant et le défenseur que je côtoie le plus. Et là, j'ai 600, donc je peux m'acheter un nouveau personnage si il ne fait pas partie du pays ou de l'unité de protection en question. Vous avez les Britanniques représentés par le SAS, les États-Unis par le FBI, le GIGN, notre chère France, les Spetsnaz, notre camarade et sainte Russie, et le GSG9, les forces allemandes. J'ai débloqué donc du coup le doc, moi qui suis plutôt médic dans les jeux pour être voilà, enfin, dans le GIGN, et j'ai débloqué le GSG9 avec IQ qui a une arme fort sympathique, c'est pour ça que je l'ai prise. Je vais débloquer un deuxième défenseur, histoire d'eux, parce que je vois que le doc est assez pris, et le second que je joue le plus c'est un anglais qui est mute, et à chaque fois que vous en débloquez un, voilà, vous devez dépenser 500, 1000 pour le deuxième, 1005 et 2000 pour le quatrième, voilà. Donc une fois qu'on veut l'acheter, eh bien il y a une petite vidéo et on va la regarder ensemble, histoire de. Donc je tiens à vous préciser que chaque nom de personnage est en rapport avec sa capacité. Il y a 20 opérateurs dans le jeu.
Du coup, ils ont tous des capacités qui leur sont propres. Mute, lui, pose des brouilleurs au sol pour empêcher, pendant l'attaque et la défense, durant le mode online, que les petits drones n'inspectent la zone et analysent la bombe. Oui, parce qu'il y a toujours deux camps. Vous voyez qu'il y a quatre personnages par unité. Deux attaquants, deux défenseurs. C'est-à-dire qu'un défenseur ne peut pas jouer avec un attaquant. Ils se retrouveront même sûrement contre. Imaginons, prenons l'exemple par exemple du GIGN. Le logo que vous voyez en haut à droite, le bouclier, c'est le logo qui correspond à Montagne, un autre attaquant. Montagne se retrouvera toujours contre le Doc, par exemple. Ils ne peuvent pas jouer ensemble. Attaquants et défenseurs ne peuvent pas être de la même équipe. C'est pour ça que les attaquants, eux, doivent analyser la map avec des petits drones qu'ils font rouler au sol. Vous avez dû sûrement voir des images. Et Mute est là pour placer des brouilleurs et rendre dans une totale incapacité les brouilleurs. Quand vous avez encore quelques sous, bon là il me reste 100, je pense que je peux acheter au moins une poignée, vous pouvez faire le build de votre personnage avant de partir au combat. Et je sais, voilà, pour 100, je peux même à peine lui acheter un petit canon. Je vais lui acheter celui-là. Voilà. Voilà, qui je le rappelle, limite, voilà. Réduit la dispersion maximum liée au recul d'une arme, voilà. Donc après, vous pouvez leur acheter tout ce que vous voulez, des petits builds. Et les coins, que je vous dis, voilà, 320. Voilà, c'est pour avoir vos camouflages plus rapidement. Donc voilà, et pendant ce temps, ben, l'équipe qui défend, elle est obligée de fortifier les murs. Enfin, vous le verrez dans la vidéo de gameplay. Je vous ai dit, voilà, 20 agents, à vous de faire en fonction de vos choix, de l'arme que vous aimez jouer, car c'est un jeu quand même qui est assez tactique, très orienté e-sport, et ça, franchement, ils l'ont bien réussi. Les manches se jouent en 3 points gagnants. Mais je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais lancer de suite, du coup, une partie en multijoueur. Je tiens donc à remercier Speed, Nelsmar, Guillaume et Robin qui m'ont accompagné pour cette vidéo. Je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, bon visionnage et à ciao tout le monde. Oh, je vous excuse. Quelle heure il est? Il est 1h18. Putain, il Oui, est il y a 5 qui me 1h20. passent. Ah ouais, non, j'en fais Allez Guillaume, allez, 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 courage. La partie se lance. Non mais je vais la faire bien sûr, mais faire les autres, je sais pas. Non mais c'est bon, vas-y, on fait les trois manches. Si les actions sont belles, go. Je commence à 9h demain les gars, c'est pas sérieux ça. Non, moi j'ai envie d'aller fumer un bédo sur Just Cause. Ah, toi aussi tu l'as pris Just Cause? Bien sûr, qu'est-ce que je m'éclate dessus. Putain, certes c'est un jeu solo, mais ça c'est le bon jeu bien fun de fin d'année, tu sais, où est-ce que quand tu te fais ouais, chier, t'as grave. ça à faire, ça passe trop crème. Grave, c'est affolant. En plus, je trouve que graphiquement il est beau. Oh, il est magnifique, hein. Sauf pour un seul truc. Dis-moi. Quand tu fais les défis crash, quand il y a l'explosion au ralenti, ça fait des bugs. Ah de ouais, de la perte de DPS. Ouais, grave. Ouais, ouais. Alors qu'une explosion pareille, tu vois, avec un lance-roquette de plus loin sur un endroit sur un gros endroit, c'est plus joli. Que J'avoue. Là, je trouve que c'est mal fait. Sur les trucs de crash, c'est vraiment super mal fait. Bon allez les gars, communication. Là-bas il faut barricader. Là, donc, ah non, il y a tout rouge. Tout vous, okay, les gars. De la rouge. Au-dessus de nous? Ouais. On n'a pas de trappe au-dessus de nous. GG Romain. Ils sont combien? J'en ai un. Il était tout seul, je sais pas, ils font des assauts tout seul. Bon.
Deuxième. Si tu fais tout le taf. Ding. C'est clair, hein, ouais, je vais pouvoir aller sur Just Cause, hein, je crois. Là. Allez, hop, oh, le mec, il nous fait un ace là. Et les caméras, sol. Il est là, derrière la porte. Il fait son yep. J'ai du bruit dans le parquet. Hein. On s'est pété la porte. Oh putain, il m'a descendu. Il reste H. Fuck. Oh, le petit headshot Montagne. Dans la gueule à Montagne. C'était Montagne ou Blitz que j'ai démonté? C'était Blitz. C'était Blitz. C'était Blitz. C'était Blitz. Ah, d'ailleurs. Moi j'ai Blitz. Oh, bon. Rouge. Guillaume est pas là pour faire de la figuration. Un petit coup de massue dans les murs. Il y en a un qui perd le mec avec le marco. Ouais. Ah, c'est Guillaume. Change de joueur, Guillaume. Super, je vais avec des recrues, c'est pas gentil. Si même en défense. Ah, ouais, non, mais en attaque, il m'a dit qu'il avait que Sledge, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, je crois que j'ai quelqu'un de droite. Oh non, mais j'ai que Termite et Termite. Ah, je vais en sous-sol, les gars. Ils sont au sous-sol? Non, je vais en sous-sol. Ah, ok. Je prends le bâtiment de gauche. Bon, je te suis. Bah, ils sont pas en sous-sol déjà à droite. Ok, ils sont chez moi. J'ai spoté l'objectif B et... C'est un capitaine. Non, il y a qu'un objectif, captain, c'est il y a un défense, capitaine qui pose des mines de partout, les gars. Toutes les entrées, ils posent des mines, les gars. Là, il m'a pété. Bah, ils ont posé des mines partout, faut bien. Quand on rentrera, faudra faire gaffe. Bon, ils sont tous en B. Si quelqu'un avait checké la A, on aurait pu y aller, quoi. Il n'y a pas de A. C'est de la défense de zone. Ah merde, putain, mais tu sais, je suis encore dans l'esprit de la bêta où est-ce qu'il y a deux bombes là, putain. Non, c'est là, c'est de la défense de zone, c'est des modes de. Dieu, on passe pas devant. Non, t'es okay. Je crois que j'ai pas mis de silencieux sur cette arme. Ouais, c'est sur cette arme que j'ai pas mis de silencieux en fait. Non, c'est bon, il y en a pas. Je lance. Tire avec moi. Tire avec toi. Guillaume. Là. Ils ont mis du C4 à gauche ici là. Quelqu'un a un silencieux pour péter le. Je repérais. J'ai posé un patch vers leur droite. Je peux le faire péter quand je veux pour essayer de les distraire. J'ai envie de faire un gros trou là ici là où je suis là. Merde. Là déjà ils vont se tourner. Ah, ils sont en dessous, hein, en 9 mètres. Ok, il monte chez moi. Je suis derrière toi, Guillaume. Mal, oh merde, putain! Oh enculé, moi j'étais persuadé qu'ils étaient au deuxième étage. Putain! Y'a Tachanka qui m'a défoncé à la RPD. Y a un mec... Putain, mais il est où lui? Ah, ils ont un doc dans la killcam. Attends, je les spot. Voilà. Okay. J'en ai un. Y'en a un en haut. En haut, tu l'as vu? Ok, j'entre. Oh, il m'a buté. Il est où? Putain, je sais pas où il est lui. Ah, GG, il est parti vers la gauche. Oh. Putain, oh, dommage. Je l'ai flashé, il m'a tué. Il m'a tué. Il reste que Nels. Il vit que Jagger, il y a que Jagger. Ah, il y a que Nels. Il est où? Merde. Ouais, il y a que Nels. Jagger, il est allongé. Il est tout au fond de la carte. Non, il est à gauche. Attends, attends, je te le spot, je te le spot, il est là. Il est là, ouais. Ah, putain, ça marche pas. Voilà, tu le vois? Bouge pas, vas-y, mec, il va. Doucement, il bouge, il bouge. Il se déplace. Non, 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 droite, droite, Nels, droite. Ouais, j'avais vu qu'à gauche. Passe pas par là, passe pas par là.
Il a pété le drone, sa mère. Tain, voilà. Il a pété le drone, ouais. Là, je peux... Non, il est pas là. Non, là, c'est pas en vrai. Vas-y. Un petit coup de fuse, là. Ah. Voilà. Ah, tu t'es tué. Oh merde. Oh, non, tu t'es tué. Oh, the fuck. Qu'est-ce que t'as fait pour te tuer? Bah c'est abusé. Regarde, c'est pas abusé ce truc. Mine. Ah, t'as dû devoir péter, genre. Ah, il y a une mine anti-grenade. C'est quoi cette connerie? C'est abusé. Non, mais je sais pourquoi, parce qu'en fait, il l'a posé sur un mur, en face d'un mur. Du coup, les grenades ont rebondi et ça lui a pété la gueule. Tu crois? Oui. Mais... De toute façon, quand tu poses le... l'équipement de fuse, faut toujours se déplacer, enfin s'écarter du mur. Bah ouais, en fait je m'écartais de 2-3 mètres là, j'allais faire une petite marche arrière, j'avais déjà appuyé dessus pour au cas où, tu vois. Je m'attendais vraiment pas à me faire attraper comme ça. L'homme qui n'avait pas de chance. Dommage. Oh là, j'aime pas du tout cette salle. Elle craint cette salle. Voler là. On rajoute un. Oui, j'ai été repéré là, quoi de bien. Tu passes ou pas, non? Tu restes là? Non, c'est bon. Non. Éclaté quoi? Non, ça va, tranquille. Bon, ça va. C'est sûr. Où est-ce que je peux mettre le dernier? Je vais mettre le dernier ici. Je prends la caméra. Je sais pas si je le prends ou pas, ce putain de jeu, ça me. Ah, ils sont là! Oulala! Oulala! Ils sont vers toi, Scorpion? Moi, ouais, c'est... non, ils sont de l'autre côté, dans l'autre bâtiment. Je les attends. Fais gaffe à ta droite à la fenêtre, hein. Guillaume, on sait jamais. Oh putain, la vache, il m'a eu. Fais gaffe. Ah non. J'en ai eu un. J'ai été repéré. Oh putain de merde. Oh là là. Toujours cette hache, quoi, c'est incroyable. Quand ça va jouer. Il est énervé. On est 3 contre 2. Ils arrivent vers toi, Nels. Enfin, si t'as eu H, elle y est plus. Ouh, ça pète. Ouais, H, je l'ai eu. Ok. De mon côté. Ouais, ça arrive. Porte principale, ouais, vers ta droite. Légèrement. Je suis repéré, d'accord. Et vous avez les 3 portes. Moi, c'est mort. Je vois le grappin en plus. Il me voit comment? Ah, tu le vois pas, Guillaume? Il t'a eu d'où? De derrière toi? Ouais, ici. Ah, non, il a la fenêtre. Non, par la fenêtre à ta gauche. Là, voilà, ici. Ah, ici, c'est ouais. C'est là au creux. Tu l'as speed, dans la lane, il est là. Derrière la fenêtre. Bien. Il fallait le voir. Il y a l'autre qui est dans ton dos. Ouais. En plus, il n'y a plus de caméra. Donc... Non, il est juste derrière le bouclier, je pense. Faut te lever, faut tenter. Lève-toi maintenant, tu l'as. GG. Le mec il le teabag sans respect quoi. Le teabag derrière les fagots. Non mais franchement, c'est vrai que ce jeu prend toute son importance quand t'es en teammate. Parce que si tu te parles pas, tu te fais défoncer. C'est incroyable. Ah ouais, non mais si t'indiques pas, c'est la mort. Pour les gaz d'état de charge, je vais neutraliser tout leur système défensif, ainsi que leur mine, ainsi que leur... Oh, en fait tout. Attends, prends... Et sur votre gauche, vous verrez un palmier. Je prends Thermite, vu que Nels il a pas pris Thermite. Tu peux prendre... Ouais, Spi, tu peux prendre... ouais, tu fais rond et tu prends Sledge, vite. Pendant... Il te reste 4 secondes. 3, 2, GG. Ah ouais.
Ah, il est hoche. Oh. Bon allez, on leur finit là. Bon, y'a combien? 2-1 ouais, allez. Il est un pour nous. Faut leur faire. Bon, ce sera pas la flawless victory, mais une victory quand même, quoi. Ah. La petite ouverture. Ah, y'a deux rush kits en face. Ils sont plus que 3. Yes! Si on finit à 5 contre 3. C'est encore mieux, putain. Qu'est-ce qui va se passer, hein? Ce qui est chiant par contre, si t'en as un qui quitte ou quoi que ce soit chez toi, tu prends pas l'XP. Après, est-ce que c'est pareil pour l'équipe adverse? Je sais pas. Je sais pas. Oh, on verra bien si on prend l'XP à la fin. Ah, ils sont en bas. Ils sont en bas, tout seul. Putain, les bâtards. Insertion dans 5 secondes. Non, y'a personne. En bas, où ça? Au garage, non, y'a personne. Ah, c'est bon, au moins on a trouvé quoi juste avant. Écoutez les gars, moi je me fais les 3. Vas-y, on va passer par là, ouais. Si... Rush pas, sois plus tranquille. Oh, t'inquiète. Je les entends. Oh. Oh le bâtard. Mais ils sont où? Ils sont là dans la sur la gauche. Ah, sur la gauche, personne. Devant toi. 4v1. Il est tout seul. Allez, recharge sa mère. Il est là. Tu l'as vu, Scorpio? Hop là. Ouais, éliminé. Mission accomplie pour nous. Le tueur. Eh ben GG les gars. Nicely done, on rentre à la maison. Bon du coup on disait... Merde. Toujours plus. Je vais stopper là moi les amis.